Alors, bien bonsoir, bien bonjour, tout dépend de lorsque vous regardez cette vidéo, voire ce stream, que ce soit en Europe, au Canada ou je ne sais autre pays. Soyez le bienvenu pour un nouvel épisode de Retour vers le passé, avec Medieval, la suite de Medieval. Donc cet après-midi, enfin l'après-midi que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait donc Oddworld, j'ai avancé un petit peu plus. Et vu que je switch justement avec Medieval, ce sera le jeu de ce soir. Pendant 1h30, 2h, tout dépendra de comment évolue. Enfin, de comment je vais évoluer dans le jeu. Donc ici on a terminé le champ d'épouvantail et on va aller de ce côté assez où. On va aller d'abord du côté des. Vers le bas, donc c'est. La vallée des potirons. Donc c'est parti. Vallée des potirons. Donc normalement, moi, je suis quand même bien. Bah, par contre, l'épée. Moi, il me semble que la grande épée, je peux l'utiliser. Donc on va pas se gêner. Fait déjà mettre en bouillie par des potirons. Pour éviter de se faire toucher bêtement. Ah mais ça fait mal hein. Quand même. Voilà déjà un marchand. Service. Ah oui, juste je peux le mettre en enchanté, mais bon, ça me sert pas vraiment à grand chose. Et ça, j'ai assez de munitions. C'est vrai que c'est vrai ça, s'il y a 0%, c'est juste pour l'enchantement. Mais il me semble qu'il y avait un autre passage. Et donc là, voilà. Et je pense que là, il faut retourner un peu plus tard. Voilà, pour le Carles. Et bien sûr, quand j'aurai les ennemis à 100%. Enfin, tuer les ennemis à. Pour avoir 100% du. Je me demande si c'est pas déjà la sortie en fait ici, donc faudra que je retourne quand même en arrière. Thank you.
Ah non, même pas. Je vais encore plus loin. De toute façon, faut que je retourne en arrière. Donc au moins je sais pour le calice. Je suis obligé de revenir en arrière. Donc là on remonte. Pas si j'y arrive. Ah non, je suis obligé de descendre par là. D'accord. Donc bah on y va. Il faut que je fasse tout le chemin en arrière. Donc on va descendre. Et donc on va aller, comme je disais tout à l'heure, marche arrière. Bon, si je veux les ennemis à 100%, enfin avoir le calice à 100%, vu que je tue les ennemis. Et je crois que ça va me faire peur. Oula, 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 oula. Faut s'énerver pour autant, hein. Ah ouais, ils sont quand même assez vénères, hein. Je pense que je retourne vraiment tout début. Ouais, donc il y avait vraiment quelques émisses en plus. Voilà, ici on devrait en avoir un peu plus. Comme ici d'ailleurs. Je fais tout pour pas que je me fasse toucher et j'arrive encore à le faire. J'ai entendu. Mais c'est bien, j'avais entendu. Évite de me toucher avec cette langue. Voilà. Voilà, quelques pièces d'or et un peu de vie. Ça ne fait pas de tort. Là, on va aller où ce qu'il y a eu là. Où est-ce qu'on a mis la rune? Ah oui, là, donc il faut tourner d'un sens. Voilà. Un peu. Et voilà. Donc on poursuit, je sais pas si... Non, attends, je l'ai pas encore. Ah si, j'ai encore. Je l'avais. Il n'y avait pas d'autre chemin, je pense. Donc on continue de ce côté-là. Avec directement des ennemis. Ah, il balance des boules de feu. Carrément. Ah.
En tout cas, faudra remplir nos réserves. Je me fais vraiment toucher bêtement. Heureusement que j'ai encore. La fontaine de Jouvence. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'ennemis par contre. M'attendais à pire. Donc moi je viens justement de là-bas. Là-bas il n'y a rien. Il semble qu'il faut que je monte le bâtiment qui se trouve à droite. Ouais, donc je dois aller par là. Et je pense qu'il y a... Ah non, ok, non. Non, d'autre sens. Non, donc il faut la rune. Et la rune, elle se trouve où? Ah, la caméra aussi, mon dieu. Je disais bien que je devais aller à tel endroit. Ah, allez. Et il me fait mal, masse dégâts quand même. 70 points. 70. Ça fait mal. Hein. Donc on va aller par là. On va essayer d'éviter de tomber bêtement. Ouais, il me semble que là-bas c'est pour aller vers la sortie. De toute façon j'ai quand même pas la rune qu'il faut. Et ici, il faut que j'aille à gauche. J'allais me faire toucher bêtement. Vaut mieux que je les détruise avant. Ah, la caméra, la caméra. Bah pourtant je l'ai touché. Oh là 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 là. Ça fait mal. On va se régénérer. Il en reste encore un léger. Je dirais même bien le bonsoir. Comment allez-vous, monsieur Dadjunk? Donc, comme tu peux le voir, nous sommes partis pour Medieval ce soir. Et cet après-midi, c'était un peu la suite de Odd World. Ben, bon, la vidéo est disponible sur Twitch ou alors sur YouTube. Bon, bêtement. Une rune supplémentaire. Bouclier, pourquoi pas. Une petite fiole. On fait d'aller, hein, bah. Comme tu dis. Tant que la santé est bonne, bon, on va dire, même si toi t'as un point 100 au niveau de ton mollet, c'est pas encore terrible, mais bon. On se dit, il y a toujours pire. Par contre, je vérifie.
un truc. Ok. Donc là, on continue. Bon, les paroles là. Bah écoute, concernant la grève, bah, on verra ça à partir de demain. Normalement, ce qui a été communiqué, c'était d'office jeudi, vendredi, samedi, mais on peut s'attendre à tout. Donc on verra bien. Faut voir au jour le jour. Les ennemis aux alentours. Encore un, je pense. Non. Ah si. Encore un. Voilà. Par contre, là, je pense que je vais utiliser un moyen. Dégâts que ça. Rien à savoir. Bon. On va voir où ça me mène ça. Je pense pas que c'est déjà la fin ici. De toute façon, si c'est la fin, donc je dois quand même retourner en arrière. Calmer, hein. Sale bête. Oula, 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 oula. On a beaucoup de trop. Que ça fait mal. Bon, bah là je reviens en arrière en fait. Enfin, il me semble que je reviens en arrière. Ah ouais, donc je reviens en arrière. Et par là, je pense que pour terminer une nuit, quand même vérifier, malheureusement. Ouais, c'est pour terminer une nuit, donc c'est pas tout de suite. Faut que j'aille chercher le quart de... Je prends des risques. Bon, ça va être un fameux chemin. Autant prendre le restant de la fontaine. Vu que je suis au mort, c'est tant mieux. Ah, la caméra, la caméra. Donc alors pour aller au Cardes, faut que je reprenne le chemin au tout début, bordel de merde. Donc le chemin qui se trouve juste voilà, à gauche.
Et si aller à droite. Descendre à droite. Et le carré, c'est juste là. Voilà. Par contre, est-ce qu'il y aurait autre chose? Non. Donc on va aller de ce côté-là. Et refaire le même chemin pour aller jusqu'à la fin du niveau. La supercharge. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Par contre, si je me trompe de touche pour sauter, ça risque d'être compliqué. C'est ce qui s'appelle une bête morte. Donc ici je monte. Et cela arrive, oui bien sûr. Surtout sur Oddworld. Donc là on va parler aux statuettes. Tous se prosternent devant le maître du jardin potager. La plante plusieurs fois couronnée qui peut convoquer une armée de choux grâce à une marée de nobles vrilles. C'est délicieux et nourrissant. C'est la recette secrète de Zarok, le roi potiron. Ok donc. Donc on va les combattre avant. Enfin juste après ça. Temps d'avoir un objet très utile. Ce serait pas mal. La seule solution est de se faire des alliés dans le hall des héros. V'là! Coupe coupe! Quelques têtes de zombies tombées et sa croix rachetée, sa conduite passée au combat. Il te reste du chemin à parcourir pour t'élever au rang du meilleur. Bah oui, je fais ce que je peux. Hein. Ah, peut-être que lui va me donner une belle arme. Honneur de Zeus, Cortès, tu dois être le cadavre le plus verni de la terre. J'ai quelque chose ici à te prêter. C'est à prendre ou à laisser, mais souviens-toi que je fais cela pour le bien de la population condamnée de Galomère, pas pour toi, espèce de bouffon désarticulé. Sympa. Ah, même pas. Juste ça. Bon, on va dire c'est mieux ça que rien, mais j'aurais préféré au moins une arme en plus. Bon, bah alors on va affronter le roi Potiron. Et bien sûr, on va sauvegarder ça. Le serpent potiron. D'abord il faut détruire l'écorce, ça peut. Les causes. D'abord un petit chaudron. Ouais, ça commence déjà. On va essayer un petit chaudron. Utiliser le talisman.
Bon, bon, monsieur. Je suis la sorcière Potiron. Je suis une mère pour ces citrouilles. Je leur apporte tous les soins et tout l'amour qu'un jeune fruit n'a jamais réclamé, dès l'instant où des pousses sortent du sol et jusqu'à ce qu'ils soient décapités et mangés. Et regarde, c'est comme ça qu'ils me remercient, en faisant les fous et en semant la zizanie. Ce grand voyou de Potiron a une mauvaise influence sur les plus jeunes semis. Si tu lui apprends à bien se tenir, je pourrais t'offrir un beau cadeau. Par contre, je serais bien étonné, c'était quoi encore le cadeau? On veut se calmer? Ouais, j'aurais aimé avoir être en full live avant de battre le boss. Attends, il y a une fontaine là-bas. Ah, je me disais, ça fait bien longtemps pour toi. Okay. Je me demande si je vais pas tout utiliser. Ah, il reste encore un peu. Il est léger, léger. Hein. Me toucher, hein. Bon, on va prendre le restant. Hein. Ouh, ça a explosé. Il reste plus que 4. Donc je pense que je viens de là-bas. Ah non, je viens pas de là-bas. Ça, je l'ai pas encore fait. Oh, il y a... Ça fait mal en tout cas. Ouais, y'a pas de soucis quand tu veux. Essaye au moins d'être passé. Par contre, ça va me gêner, c'est pas tiré. Pas être tranquille 2 secondes. Hein. Bon, je vais récupérer le restant de la fontaine. Pas grand chose. C'est déjà ça. Ah non, j'aurais pas dû l'utiliser. Ça c'est... J'aurais pu le garder pour après, pour le boss. Ah mais il y en a un autre de l'autre côté. Putain-en. Il reste plus que les deux qui sont là. Le problème c'est que les trucs au-dessus là me gênent. Bon allez. Bon allez. Plus que les deux là. Non, je me demande si je peux tirer de loin. Je pense que oui. Donc je pense que je peux utiliser l'arbalète.
attendons d'être trop près. Ah, ça fait vachement mal, hein, quand même. Ah bah franchement, ça a été le boss le plus rapide que j'ai fait pour l'instant. Même les petits ennemis autour faisaient plus de mal que le boss à la... Oh, par contre là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Et là non plus, je suis pas d'accord. Ça sort de nulle part, là. Il sort de nulle part. Et encore de nulle part. Ah non, il faut que je fasse. De toute façon, il faut que j'aie le Cardis. Voilà, je vais pas aller chercher le Cardis. Faut que je retourne au début. Bon, déjà, il donne un petit cadeau. Voilà un spectacle. Hommes et légumes se livrant un splendide duel à mort. Oh, j'en suis tout éboustillée. Tiens, prends cette jolie pierre de dragon. Oh, les dragons sont des créatures si charmantes et majestueuses. Ça va servir bien plus tard. Et donc là, bon, ici on va faire les courses, hein. Donc j'ai plus de munitions pour l'arbalète. Ah, par contre là, ouais, elle m'a fait peur. Ça a l'air à ne faut rien. Alors, service, non, je ne vais pas faire ça. Donc ça, oui. On va se faire au max. Ça, non. Est-ce qu'il y en a d'autres autour? Non. Et on va aller prendre le Cardis. Donc là maintenant je peux partir. Et les ennemis, je passe à côté. Et bon. Et voilà. Donc là, j'espère une petite arme. Donc là, non. Là, non. Là, non. Et là, c'est ma statue, donc non. Donc je vais aller à un niveau supérieur. Donc là, au niveau du niveau supérieur, il y a des objets plus intéressants. Dany. Dis-moi. Qu'est-ce qu'une reine guerrière peut bien faire pour rencontrer quelqu'un comme toi? Ne sois pas timide, mon canard. Je t'ai vu me jeter un œil. Tu as beau être aussi faible et bête que les autres hommes, je t'aime bien quand même, Daniel. Ça fait zizir. Ah, j'aime les hommes qui ne rétorquent pas. Si tu reviens... Je crois bien que je te prendrai pour époux. Maintenant, écoute bien, mon cœur. Ton arc et tes flèches sont bons pour les petits boulots. Mais si tu veux vraiment faire un malheur, prends cette lance. Pense à moi quand tu la lanceras. J'avoue que c'est pas une arme que j'utilise souvent dans le jeu. Déjà pour le peu de munitions. Et même il faut savoir bien viser. Là, peut-être pour des boss, etc. Ça peut toujours servir, mais... En général, pour parcourir les niveaux, je préfère le classique épée. Marteau. Voilà quoi. Donc voilà, la première partie... du monde est fait.
Maintenant, est-ce que je peux aller directement au village endormi? Et donc le village endormi. Pauvres villageois, le maître les contrôle. Il faut les épargner. Les gardes, eux, doivent périr. Ils recherchent un objet au grand pouvoir. On va tout faire pour pas les tuer, hein. Parce que c'est comme dans le niveau du mausolée, non? Ah bah. Une petite fontaine. Ok, ici je sais bien qu'il faut poser une croix juste là pour ouvrir une porte qui se trouve juste derrière. Maintenant il faut la fabriquer avec... avec du bronze, etc, etc, je pense. Mais bien sûr, éviter de tuer les villageois. Donc il faut les éviter à tout prix. Récupère les pièces d'or. Aïe. Oula oula oula, je vais trop vite là. Bon, si je veux esquiver les coups, ce sera peut-être mieux. Ah ouais, mais ici jusqu'au bout. Hein. Bon, ça j'aurais pu le prendre après. C'est dommage. Aïe! Mais aïe! Mais aïe! Ah, j'ai entendu une porte s'ouvrir, je sais pas où. Non, madame, non, madame. Donc il faut que je le mette juste là. Non, je peux les garder. Voici un pas. La massue ne sert à rien. Je vais garder mon marteau. Donc là, il faut aller à la porte juste à droite. Monter à l'étage. Donc là, comment... Oh. Comment j'ai fait... Ah, je crois que c'est jusqu'à celle-là. Au cas où, je vais peut-être utiliser que peut-être mon bras. Je peux utiliser que mon bras, ouais. Pour lui, pour pas trop les endommager, sauf ici. Ouais, si normalement, c'est l'objet qui tombe. Merde, merde, merde. Ouais, t'as pas à me taper. Donc là, vaut mieux utiliser mon bras pour faire le moins de dégâts possible. Voilà, je prends ceci. Et ça, ça va permettre justement de faire le moule pour la croix.
Ah merde, il y a déjà une cinématique, donc ils sont déjà là, les gardes. Hâtez-vous, camarades! Démolissez ces lieux! Si on ne trouve pas l'artefact de l'ombre, Lord Zarok va nous consigner dans l'antichambre des démons pendant le prochain millénaire. Et par contre, vu qu'il tire de loin... Il y a tellement de choses à faire ici. Et si c'est pour baisser le niveau de défense. Et pour y faire récupérer aussi là. On va utiliser l'arbalète. Bon, c'est long pour les suivre quand même. Voilà, c'est pour pouvoir faire justement le moule. Là, on va quitter l'endroit. C'est pour partir du niveau. Ah, j'ai entendu. Voilà, donc on va passer le moule là. Donc ça c'est pour faire la croix. Ici il faut juste faire ça. C'est long mais efficace. C'était où? C'était là. On a peu de vie. Et là, on va placer le crucifix juste là. Et donc là, ça se trouve au jardin juste derrière. Donc de ce côté-là. Ah, c'est quand même plus efficace avec la vie. Par contre, le calice dans ce niveau-ci, je ne sais plus où ça se trouve. Je pensais quasi à la fin. Ah, mais non, il est là. Il est là. Donc, il faut que je tue des ennemis avant.
que là il fonctionnait, voilà, pour pouvoir ouvrir. Et bien sûr les fameux gardes. Là par contre je sais plus comment ça se passe. Ah bah oui ça, je suis con, ouais, non, il faut utiliser la clé. Voilà, l'artefact. Bon, on sort par la porte. Ok, il faut que je tue encore quelques ennemis. Donc là alors on va aller chercher donc le Kals. Et on va garder justement pour se refaire un peu de vie. Et donc voilà, le niveau est terminé. Donc là, on va aller encore au niveau supérieur. C'est pas elle, c'est pas lui. Ah bah donc là je vais avoir une arbalète de feu, quelque chose comme ça. Regarde-toi te balader dans tes os, Fortesque. Tu fais très nouveau mort. Moi, Ravenhoofs, le dernier prince des centaures, je n'ai pas galopé sur la terre depuis 10 000 ans. Fais-toi plaisir, Fortesque, prends mon arc. Plus puissant qu'une arbalète, tu as les flèches enflammées en option. C'est l'arme parfaite des aristocrates. Et bien sûr, je l'accepte. Félicitations. Tu n'as pas mon éducation, la riviste, mais on peut faire quelque chose de toi. Bien aimable. Et voilà donc l'arc. Mais on va quand même récupérer l'épée. Enfin, je vais utiliser l'épée en attendant. Et l'arbalète, bon, ça va servir. Hein. Enfin, l'arc. Pas l'arbalète, l'arc. Et donc là, on retourne dans le monde hostile de l'Élomère. Et on va sauvegarder, comme d'hab. Et on va aller donc au domaine de l'asile. Donc le domaine de l'asile. Les domaines de l'asile. Ouais,
Ouais, ici il y a plusieurs énigmes à résoudre, sachez bien. Mes hommages, sœur Fortesque. Je m'appelle Justin Desbois. Je suis le maître des énigmes et ce labyrinthe est mon domaine. Tu es libre de partir, mais uniquement si tu trouves la réponse à quatre devinettes. Quatre casse-têtes si diaboliquement difficiles, si complexes, qu'aucun homme n'a jamais pu les résoudre. À présent, essaie mon premier rébus. Elles viennent à la nuit sans qu'on aille les chercher. Le jour, on les perd sans qu'elles aient été volées. Bon, on va chercher après donc l'objet en question. Je pense que c'est ça. Là, je l'ai même pas vu. Le premier objet, je pense à détruire, c'est les étoiles. Qui représente la première énigme. Ah, ils sont vraiment nuls, quoi. Salut, du club pro, bah, faut voir si j'en fais. Normalement, tout dépend de mes collègues. En général, c'est souvent le vendredi soir et le samedi soir. Le dimanche, on va dire, ça peut être exceptionnel, mais c'est pas que ça dure plus longtemps. Ah d'accord, bah... Tout dépendra de mes collègues. Si je fais... Je fais un peu de rétro comme tu peux le voir. Pendant une heure et demie, deux heures, en max, et après... Et après, on verra bien. Vu que le lendemain, on va dire, en général, tout le monde travaille, donc c'est plus compliqué de rester plus longtemps que les autres jours. Ah oui, c'est... Ok. Ici, je pense qu'il en reste un, si j'ai bien vu. Il se trouve juste là. Ah non, il y en a encore. Il y en a encore un. Qui doit être plus à droite. Oui, j'ai remarqué comme beaucoup de des jeunes de France. Moi non, inverse. Vu que je suis plus dans les études et que je travaille maintenant, donc... Ah, peut-être au tout début, il y a peut-être une étoile que j'ai peut-être oublié de toucher. Ouais, qui était donc là. Bien joué, chevalier. Mais ma devinette sur les étoiles était une broutille. J'aime commencer par une facile. Reviens ici, la prochaine énigme sera un peu plus corsée. Alors, ça. Alors, deuxième énigme. Je vis pour le rire, je vis pour la foule. Sans cela, je ne suis rien. C'est par rapport déjà à ce qui est humoristique. C'est rien à voir. Il me semble qu'il y a un passage qui doit être ouvert quelque part, donc pas ici.
Ah, le passage ici n'était pas ouvert tout à l'heure, ici il est ouvert, donc la réponse à l'énigme doit être au bout de ce couloir. J'avoue que c'est rare que j'utilise le bouclier. Alors ici... Ah oui, je sais, ah oui, j'ai oublié que ça s'amuse à faire ça. Ouais, donc ici il faut faire essayer que tous les visages se mettent à rire, mais le problème c'est que il tombe tout seul. C'est bon pour bien s'énerver les gens. Alors, comme on croit qu'on y est pas, mais non, c'est à cause de vous. Comme ça. Comme par hasard. Ça va me faire tourner en brique. Ah, je pense que j'ai peut-être une idée aussi du truc. Il faut qu'il soit comme ça. Ah, ça va pas. Donc là, non. Ça, c'est une question de rapidité. Donc là, normalement, c'est bon. Je vais courir, lancer. Ah, par contre, j'ai complètement oublié celui-là. Donc, celui-là, il fait que un quart de tour. Celui-là, il faut que je fasse comme ça. Celui-là, comme ça. Celui-là, non. Voilà, donc maintenant, il faut que je fasse. Ah non, c'est pas bon. Celui-là était mal mis. Donc celui-là, il est comme ça. Celui-là, c'est bon. Celui-là, non. Voilà. Donc normalement, si je touche les 5 maintenant. Ah, bizarre. Je suis pas assez rapide. Donc, on va recommencer. Voilà, donc maintenant il faut aller vite. Ah, c'est pas assez rapide.
Bon. Il faut essayer d'aller vite. Ah non, je me trompe. Ouais, non, ça va pas. Ouais, faut que j'essaye deux du même bon, enfin deux qui sont du même côté, ça va pas. Alors, faut vraiment que ce soit comme ça. C'est une question de rapidité. C'est le problème, quand j'essaie de taper, ça ne fonctionne pas trop, donc... Ah, ça va pas. Ça m'énerve. Voilà, ça comme ça. Donc comme ça. Après, là, est-ce qu'avec des flèches, on pourrait fonctionner? Non. Peut-être juste avec le marteau. Ah, ça va pas. Ah, donc je peux pas. À nouveau, comme ça. Ah non, il veut pas. Hein. Je pense que je l'ai même mal mis. Je pense que c'est plutôt comme ça que j'habite. Donc 1, 2, 3. 1, 2. Donc 2 comme ça. Bon. Ah, il veut pas. Hein. Peut-être à l'extérieur. Ah non, à l'extérieur il me bloque. Ça va pas. Je pense que je suis même bloqué moi-même. Bon. Ah non. De tu t'étais mal mis. Oh putain, je recommence. Alors comme ça. Celui-là. Comme ça, comme ça, comme ça, et maintenant il faut faire le tour en tapant. Oh, c'est pénible. Ça par contre, ça va commencer à m'énerver, ça. C'est qu'il va une bloc à chaque fois, c'est chiant. J'ai pas envie de rester des heures là-dessus. Hein. Bon. Ah voilà, et toi il me bloque, hein. Putain. Donc ça c'est bon. Non, le problème, on peut essayer de faire ça.
En plus, j'ai que deux, mais d'office, non, ouais. Ça ne va pas. Le problème, c'est celui-là qui va me déranger le plus. Bon, on va essayer. Le problème, voilà. J'ai pas une autre arme qui pourrait être plus simple à utiliser. Ah, petite épée, la petite épée peut-être. Oh non, c'était bon là. Oh non, là, là c'est dégoûté, là je suis dégoûté. Normalement c'était bon. C'est une dernière fois. Mais non. Ah, enfin. D'accord, c'était bien un clown. Très fin, n'est-ce pas? Reviens vite, chevalier, car je veux voir le désespoir se dessiner sur ton visage en entendant ma prochaine énigme indéchiffrable. En tout cas, c'était bien long. Bon, retourne en arrière. Pourquoi ça cache bien? Oh là là, hé hey, toi. Il devait être mort depuis bien longtemps quand même. Bon, dernière énigme je suppose. Ah non, c'est troisième. Il n'en restera plus qu'un après. Visage d'arbre, peau marine. J'ai beau être un monstre, la vermine m'effraie. Bon. Est-ce qu'il faut aller par là ou pas? Ouais, il faut aller par là. Il se cache bien, hein, ces salauds. Il faut longtemps pour les battre. Ah, j'ai oublié qu'il y avait quand même des objets dedans. Ah, on est sur deux. Ça m'a encore donné peur. On va aller au marchand. On va prendre. On va prendre pour l'arbalète. On va prendre aussi pour la lance. Le service aussi. Non. Donc, ça pour la vermine, il semble qu'il y a une souris blanche. La souris blanche, je ne sais pas. La rune rouge, je n'ai pas encore. La souris blanche. Se trouver là-bas? Non. Alors moi, il y a une souris, hein. Ah, blabla.
Comment on l'attire encore? Je sais plus. Ouais, donc je pense qu'il faut ouvrir le passage. Il faudrait le... Ah c'est ça en fait. Il faut la rune pour pouvoir ouvrir le passage et libérer le roi. C'est juste pour la run donc. Oula. Donc là, comme j'ai dit, il faut libérer la souris blanche, mais il faut qu'elle évite aussi les autres. Donc ça, je pense, être une question de timing. Là, il faut vraiment qu'elle soit auprès de moi. Qu'elle aille vite pour éviter les rats. Là, même pour être sûr, on va aller... Quand elle passe là-bas, ça reste des gênants. Voilà. Encore un rat, ou deux voire même. Là, vu que j'arrive au bout, ce serait un peu dommage de la perdre aussi vite. Voilà. As-tu vu la fente? Je t'ai fait croire que cette devinette était tardue, alors que c'était gros comme un éléphant. Pourtant, à présent, je te plaindrai presque. La réponse à mon prochain mystère a confondu les esprits les plus vifs de toute une génération. Viens par là. Ok, j'arrive. Je supporte la lune et les étoiles. Je ne souffre pas le soleil. Chassez-moi au flambeau et vous me verrez partir en courant. C'est vrai que ça a l'air plus corsé. Je pense qu'il y avait quelque chose là-bas. Ah, quoique, ouais, non. Enfin, soit, on va quand même y aller, mais je pense que le grillage, c'est pas tout de suite, ça s'ouvre. Ouais, c'était bien ça. Mais par contre, là-bas, comment on fait pour y aller donc, Ah bah justement, c'est par le grillage. Donc toi, fiche de attendre. Ici on va aller où ce qu'il y a eu ce que l'éléphant en haie a fait un trou juste à côté. T'inquiète, je l'aurais fait à ta place. J'avais bien aimé. Par contre, je vais pas aller chercher le calice. Il se trouve juste là. Voilà. Ça, je suis tranquille. Tant que j'avais bien aimé.
Allez, si on va se remplir au max. J'en avais bien besoin. Donc là, non. Ah oui, si je pense qu'il faut. Ouais. Donc il faut rapprocher ceci. Parce qu'il y a des genres de petits anges. Ouais. Des petits anges rouges. Un petit cran gauche. Voilà, et les deux. Ouais, par contre, il est mal mis. Voilà. Donc là, on peut retourner. Pourquoi que j'aurais pu continuer sur l'autre chemin. Petit impertinent! Cette ténébreuse m'a pris une éternité à composer. Parfait. Aussi outrageant que cela paraisse, mon vaste intellect a été égalé par ton cerveau sérieusement décomposé. Reviens par là, que je te remette ta récompense. De toute façon, le niveau est loin d'être terminé parce qu'il faut encore que je fasse un énigme avec un jeu d'échecs. Mais bon, toute récompense est bonne à prendre. Tu te crois très malin, n'est-ce pas? Voilà, monsieur Gros Sabot, je te permets de traverser mon labyrinthe. Débrouille-toi pour en trouver la sortie. Ah bah, donc c'était même pas une récompense. Salut. Donc là, il faut que je passe au niveau de la grille où il y avait l'éléphant en haie. Ah non, même pas, donc je suis obligé d'aller par là. Pensez que la grille s'ouvre. Donc ici, on va reprendre une... force que j'ai déjà pris d'ailleurs. Il faut que j'aille par là, je pense. Ah voilà, voilà le fameux jeu d'échecs. Autant de bruit que ça. Oula, pourquoi il va parler? Donc là. Et voilà, plus qu'un. Ah, par contre, on est en train de m'énerver. Hein. Ah, et donc lui, c'est que en latéral. Voilà, c'est latéral vers le haut, encore une fois, et c'est bon. Donc là, à ce moment-là, il faut que je fasse ça. On va prendre tout ce qui est fiole, même si j'ai tout au max, là, au moins. Je suis au max pour le dernier niveau.
de l'asile. Le va-et-vient d'un yo-yo magique. Peut-être le maître va-t-il corser les choses pour t'empêcher de trouver les coquetiers magiques. Ouais. Donc ici, il faut toujours monter à l'étage. Donc elle, non. Ah, donc c'est lui. Ah oui, le bouclier. Un objet que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs. Te voilà de retour dans la bataille, hein? C'est bien. Les gens me demandent, Stonegard, que penses-tu de cette épée ou de cette hache? Mais moi, je leur dis, non! La guerre moderne est un problème de science, la science des boucliers! Je crois que tu devrais prendre mon bouclier, hein? Il est magique, Herr Fortesque. Certains disent qu'il vaut mieux avoir une épée magique qu'un bouclier, mais je t'assure qu'ils disent n'importe quoi! Tant que tu t'en sers comme une faux, ce bouclier te rendra invincible. Faut toujours croire les Allemands. Ah ouais, là, je suis vraiment invincible. Incroyable. Bon. Nous allons quitter le hall des héros. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Ce sera une petite 1h30, un peu moins, bon, tout petit. On va sauvegarder maintenant. Et donc je tiens à remercier ceux qui ont suivi le stream et qui ont regardé la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine.